Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guitare où on va faire un combat de guitare entre ces deux guitares-là, tout simplement. Ces deux-là, mon ancienne, une guitare qui vient de Wish, et une guitare Jackson. Une Jackson qui va très bien, que j'ai eue il y a un petit moment. Ça fait quand même déjà un petit moment que je l'ai. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Non, on va aller checker non seulement la qualité, je veux dire le toucher, puis la confortabilité, pour ainsi dire, si on veut. Puis on va aussi checker le son. On va checker le son, puis la confortabilité. Donc c'est parti. Par la première que j'ai eue. Donc mon ancienne. On va commencer, et je tiens à préciser aussi que c'est pour pour les deux guitares, ça va être exactement le même setup, les mêmes amplis, les mêmes effets, les mêmes sons. Donc ça va être égal pour les deux. Donc on va commencer directement avec ça pour sur un son clean. On va commencer sur un son clean pour voir qu'est-ce que ça donne. Un son clean avec du reverb dedans. Ok, déjà, ça commence pas trop bien. Ouais, ça sonne. Vous allez voir. Donc on va enlever le reverb. Donc, je sais pas, mais je trouve personnellement que ça sonne la canne. Vous allez voir comparé à l'autre là. Donc, on va y aller en distorsion. Essaye moins d'écho, un petit peu plus old school. Ok, alors là les gars, ça va pas trop bien, hein, parce que non, mais le pomme muting. Ok, le pomme muting.
Ça sonne, ça sort pas, y a rien qui sort. Et ce sont tout ça, c'est tout neuf. C'est tout refait, les cordes ont été changées, toutes des cordes neuves, puis tout là. Donc, y a rien de technique à propos de ça, y a pas de problème avec ça, rien. Juste le port muté, il sonne carrément pas. Pas bon du tout, ça. À part ça, ce son-là, il est pas si mal, il est pas si pire que ça. On a assez vite pour ça, on va aller voir l'autre. Pas dans le lot. Non, pas dans le vrai. Avec ma nouvelle. Donc déjà, l'autre. Juste pour la tenue, pour le feeling de quand tu joues. Juste ça. Je me sens plus confortable sur celle-là. Pour jouer, c'est mieux celle-là. Donc on recommence sur du clean. Voir qu'est-ce que ça donne. Bon, alors déjà oui, c'est beaucoup plus beau. On enlève le reverb, on enlève le chorus. Quelle beauté! Ça se voit déjà, là. Ça se voit beaucoup, là. La différence. L'autre, ça sonnait carrément le fond de canne comparé à ça, tu sais. Donc, on passe à la distorsion. Ça va voir, ok, les gars. Déjà, l'ampli rush moins. C'est bon. Déjà avec ça, je me sens beaucoup plus dans mon élément. Je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus. C'est vraiment bon. Donc on enlève l'écho.
Là, on va voir une autre grosse différence. Déjà le palm muting. Le palm muting est déjà beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Écoutez, là ça sonne, pas comme l'autre. Ça se compare pas. Ça se compare pas à voix. Déjà, ça se comprend pas. Voilà. Alors voilà qui était pour le duo, le duel entre les deux guitares que j'ai. Donc, on s'entend que la meilleure, c'est celle-ci. C'est vraiment elle la meilleure pour le son, puis pour la maniabilité, pour inciter si on veut. Pour la touche, le confort, c'est vraiment la meilleure. Plus pour la rapidité surtout qui est meilleure parce que les frettes sont plus petites, il y a plus de frettes que l'autre puis sont plus petites. Donc pour la rapidité c'est beaucoup plus vite parce que les frettes sont plus petites donc tu peux te déplacer plus rapidement. En tout cas j'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et partager la vidéo. Et là-dessus, on va se retrouver la prochaine fois. Peut-être pour un autre cover. Sûrement un autre cover de musique. Ça peut être bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.